in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Man, I'm tired of this Mr. Meaty character with a bad spray tan running office. It's time for me to drop 45 like it's game 6 at the Garden. You know the name. It's Braun. I gotcha, only Irvin we acknowledge is the doctor. The others obsolete in these Cleveland streets. It's on Curry, this ain't no bickering beef. No. I remember being down one game to three. Iguodala really thought he had us beat. Blocked his ass, you blew a 3-1 lead. Y'all was hot, thought you can't be stopped. You couldn't find your shot, so we finished on top. That season was a flop, to some reporters, sorta. It got you that snake from Oklahoma. 1-2 rings, but keep it real though. No finals MVP, so Curry, you ain't earned those. And your wife said it's rigged, how so? I guess this past year was rigged also. People know, when it comes to hooping, you're kinda straight. I'm with the greats, right next to MJ. I'm making big plays, master with the passes. And your sneakers are something I cut grass in. Even at your interviews, we're not amused. Riley's the only Curry we can't view. Headed to the finals for my 8th straight time. And your little sneakers have nothing on mine. And I'm Cleveland's finest. Call me King or call me your highness. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour votre talk show favori sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et vous êtes bien positionné pour ce talk show. Ce talk show Oncle Phil Playground. Je vous rappelle le principe de cette émission. Une émission totale impro avec Oncle Phil sur le parquet de la radio. C'est Oncle Phil Playground. Entre les trois grands talk shows de la semaine, on en avait déjà parlé le mardi avec The Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et le dimanche avec Total Africa NBA. Entre ces jours clés avec les gros talk shows de la semaine, il y a donc les éditions Oncle Phil Playground où on fait le point en total impro sur l'actualité de la NBA. Et sans plus tarder, on va enchaîner avec le programme de ce soir. De quoi allons-nous parler ce soir dans Oncle Phil Playground? On va se poser la question concernant le dossier de la journée, le dossier du jour. Puisque si vous avez suivi les dernières infos concernant la NBA, vous le savez, Jimmy Butler a donc décidé de refuser une extension de contrat de la part des Timberwolves du Minnesota. Et on peut se poser la question, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que Jimmy Butler refuse une extension de contrat avec les Timberwolves du Minnesota? Est-ce que le joueur se sent mal dans cette équipe? Est-ce qu'il a envie de s'en aller pour se retrouver dans une autre franchise capable de gagner le titre? Est-ce que Jimmy Butler aurait quelques touches
pour rejoindre d'autres équipes. Tout, vous pouvez légitimement hein, vous positionner dans l'une de ces optiques-là et voir l'une de ces possibilités. LeBron James. Est-ce que Jimmy Butler pourrait rejoindre LeBron James et les Lakers après la saison prochaine? Est-ce que Jimmy Butler pourrait rejoindre un autre contender comme les Rockets ou alors une autre équipe capable de remporter le titre? Hein, on va analyser cela, on va se poser, on va vous donner les réponses, on va vous donner les réponses à cette question. Pourquoi est-ce que Jimmy Butler a refusé une extension de contrat de 4 ans qui tournait autour de 110 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc je vais vous donner les détails concernant ce dossier et on n'oubliera pas de faire le point sur toutes les dernières infos en provenance de la NBA. On vous diffuse tout ça dans moins d'une minute, on vous passe une petite pub. Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophones à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec la suite de ce talk show, avec la question clé de cette fin d'après-midi. Pourquoi est-ce que Jimmy Butler a décidé de quitter les Timberwolves? Non, il n'a pas décidé de quitter les Timberwolves, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il a refusé une extension de contrat de 4 ans avec cette équipe des Timberwolves du Minnesota? Avant cela, on va enchaîner avec quelques news concernant les franchises de la NBA en Summer League. On va commencer par les Mavs de Dallas qui ont terminé la nuit dernière avec une victoire sur les Wizards de Washington sur un score de 96 à 92. On rappelle que sur les 5 matchs joués par les Mavericks de Dallas, ils en ont gagné 3, même s'ils se sont quand même mangés. Le poster de la nuit, c'était pas mal. Vous pouvez regarder ça sur les vidéos qui circulent sur les réseaux. Et on va rester du côté des Mavericks de Dallas pour parler de Yogi Ferrell. Yogi Ferrell qui continue de négocier avec les Mavs, puisque les Mavs ont retiré la qualifying offer qu'ils avaient proposée à Yogi Ferrell. Ils l'ont donc retiré. Mais si vous êtes fan du joueur, ne vous inquiétez pas, Yogi Ferrell ne devrait pas quitter les Mavs. Il est actuellement unrestricted free agent et il devrait normalement, les Mavs qui devraient normalement conclure un contrat de plusieurs années avec le joueur. On va suivre ces éléments très prochainement. On reste au Mavericks de Dallas pour parler d'un nouvel arrivant et un nouvel arrivant que vous connaissez aussi puisqu'il s'agit du frère de Giannis Antetokounmpo, hein, de Greek Freak, hein, le franchise player. Hein. On rappelle hein, Giannis Antetokounmpo hein, qui était quand même candidat à ce titre de MVP la saison dernière avec les Bucks de Milwaukee. C'est donc son frère
Kostas Antetokounmpo qui va rejoindre les Mavs de Dallas. Hein. Le frère de Giannis jouera donc avec les Mavericks il jouera donc avec les Texas Legends avec la il aura bien entendu la possibilité de faire quelques matchs avec les Mavericks de Dallas. Donc voilà, donc Kostas Antetokounmpo qui rejoint donc la NBA G League. Il va jouer avec les Texas Legends et bien entendu il aura l'occasion de jouer un petit peu avec les Mavericks de Dallas. Il aura aussi donc l'occasion de faire son trou, c'est bien de le préciser. On va du côté des Sacramento Kings pour faire un petit bilan aussi de cette Summer League. La Summer League est donc terminée pour les Kings de Sacramento. Il faudra donc attendre jusqu'au training camp qui se déroulera le 25 prochain pour voir les joueurs des Kings en action, donc à peu près 2 mois et demi. Et pour le bilan de ce qu'on a pu voir chez les Kings de Sacramento, on est un petit peu déçu car on s'attendait à voir Begley jouer un peu plus. Bon, mais il a très très peu joué. Il a très très peu joué. Et quant à Frank Mason du côté des Kings de Sacramento n'a pas été très rassurant dans sa capacité à être un backup assez fiable. Donc voilà, pour ce qu'on peut dire du côté des Kings de Sacramento. On va aller du côté des Bulls de Chicago. Une grosse actualité pour les Bulls de Chicago puisque les Bulls vont accueillir Jabari Parker, l'ex-star des Bucks de Milwaukee. Avant l'arrivée de Giannis Antetokounmpo, c'était Jabari Parker qui était la star de cette équipe des Bucks de Milwaukee. Par la suite, le joueur a été miné par des problèmes de blessures. On le sait, Giannis est venu ensuite arrivé. Et bien entendu, le joueur a été mis de côté. Il est revenu, mais bien entendu, le joueur n'était plus dans la stratégie du futur de son équipe, on va dire ça comme ça, puisque les Bucks ont refusé de lui offrir un contrat à la hauteur de ce qu'il attendait. On rappelle que les Bucks ont donc résilié le contrat de Jabari Parker qui devient libre, hein, qui est devenu libre et voilà, il est donc unrestricted free agent et les Bulls qui voudraient bien le signer pour un deal de 2 ans pour 40 millions de dollars. Les Bulls qui aimeraient bien le signer et ça devrait se faire, hein, pourquoi pas, ça devrait se faire, hein, les Bulls qui confirment voilà qu'ils aimeraient bien signer Jabari Parker. Et on rappelle que Jabari Parker ce serait un ajout très intéressant pour cette équipe des Bulls qui a quand même besoin de se renforcer. Jabari Parker, Zach LaVine, c'est plutôt pas mal en doublette. Un Jabari Parker qui pourrait facilement spotter à l'aile, pourquoi pas. Et aussi qui peut jouer aussi au poste 4 si le besoin s'en fait sentir. C'est une bonne pioche hein, pour les Bulls. Je pense que Jabari Parker devrait accepter cette offre des Bulls de Chicago pour relancer sa carrière. Un contrat de 2 ans à 40 millions de dollars, ce serait plutôt intéressant. On va aller intéressant pour lui. On va du côté des Pistons de Détroit pour parler de Glenn Robinson III, qui est donc le nouveau joueur des Pistons de Détroit. On va regarder un petit peu le détail de cette info. Voilà, Glenn Robinson III qui est donc agent libre. On rappelle qu'il vient d'Indiana. Hein, donc Glenn Robinson III, un des ailiers les plus convoités hein, de cette free agency, a donc accepté ce contrat avec les Pistons de Détroit pour un contrat de 2 ans de 8,3 millions de dollars. Avec une option équipe de 4,2 millions de dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il faut dire que Glenn Robinson III n'a joué que 23 matchs avec les Pacers d'Indiana la saison dernière. C'est un joueur de 24 ans,
On rappelle qu'il avait aussi subi une blessure au ligament de la cheville gauche lors d'une séance d'entraînement, c'était fin septembre, et cette blessure a entraîné une quasi-saison blanche pour Glenn Robinson Tree, puisqu'il n'a rejoué qu'à la fin du mois de février. Et on rappelle que le front office des Pacers ont donc plutôt parié sur une autre stratégie, on va dire ça comme ça, puisque Glenn Robinson Tree n'a donc pas été utilisé à sa juste valeur, on va dire ça comme ça, du côté des Pacers d'Indiana. On rappelle que l'accord ne peut être officiellement annoncé. Glenn Robinson Tree ce n'est pas encore effectif, mais on va dire que les ententes sont sur le hockey, on va dire ça comme ça, entre le joueur et les Pacers, et il devrait plutôt pouvoir être un bon apport pour les Pistons de Détroit. On rappelle que Glenn Robinson Tree était quand même le vainqueur du concours de dunk là en 2017. Et que lors de sa saison avec les Pacers, il tournait à 6,1 points, 3,6 rebonds en 20 minutes. Donc voilà, on rappelle qu'il va permettre aux Pistons de résoudre un problème pendant qu'il était à l'aile, puisque seul Stanley Johnson était là pour combler un petit peu les manquements de cette équipe des Pistons de Détroit. Glenn Robinson Tree qui a shooté la saison dernière à 39% à 3 points devrait donc faire le taf pour aider cette équipe des Pistons de Détroit. C'est plutôt une bonne pioche pour cette équipe. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On se pose la question, pourquoi est-ce que Jimmy Butler a donc refusé cette extension de contrat, une extension de 4 ans que lui a proposé les Timberwolves du Minnesota pour environ 110 millions de dollars que le joueur a donc décliné. Il a donc décliné l'offre des Timberwolves du Minnesota il a décliné l'offre tout simplement. Alors avant de rentrer plus en détail sur le pourquoi de ce choix de Jimmy Butler, il faut rappeler quand même que la saison dernière n'a pas été de tout repos pour le joueur. On se souvient encore le joueur qui a été essoré, qui était physiquement très très touché par cette saison, par la saison dernière. On se souvient encore de cette image où l'on a aperçu Jimmy Butler qui
lors du All-Star Weekend avait passé tout l'intégralité de ce match des étoiles sur le banc. Le joueur qui n'avait pas joué ce match pour raison de fatigue, le joueur qui a eu aussi des soucis de blessure, mais un joueur qui a quand même eu une solide saison puisque Jimmy Butler c'est quand même un joueur qui tourne autour des 22 points par match. C'est un joueur qui a continué à fournir une performance solide hein, pour les Timberwolves du Minnesota puisque le joueur tourne autour de 22 points par match. Je vais vous donner la stat beaucoup. Je vais vous préciser cette stat de manière plus éclairée tout à l'heure. On va revenons d'abord sur les détails de son choix. Pourquoi est-ce que Jimmy Butler décide de refuser cette extension de 110 millions de dollars? Alors, on va d'abord expliquer hein, pourquoi est-ce que les Timberwolves du Minnesota décident de lui faire cette offre. Est-ce que les Timberwolves du Minnesota auraient pu lui proposer une offre beaucoup plus intéressante? On rappelle que Jimmy Butler il a déjà 29 ans, Jimmy Butler, et que la saison dernière, il avait gagné 47 matchs avec cette équipe des Timberwolves et que selon les sources, les Timberwolves du Minnesota ont la possibilité de lui offrir un contrat de 5 ans à 188 millions de dollars. Ça c'est les détails des possibilités de son contrat. Je répète hein, que les Timberwolves du Minnesota ont la possibilité de lui offrir 5 ans à 188 millions de dollars et ce dès l'été prochain. Et on rappelle que l'été prochain, Jimmy Butler sera unrestricted free agent. Donc, on va d'abord rappeler que sur son contrat, il lui reste normalement 2 ans. Il lui reste environ 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, attendez, je regarde bien ces détails pour vous préciser ça. Sur le reste du temps, voilà, il reste à peu près 2 ans hein, pour Jimmy Butler. Jimmy Butler, donc, qui a donc cette possibilité d'avoir une offre de la part de Timberwolves pour 188 millions de dollars la saison prochaine. Et on rappelle aussi que les autres équipes qui lui proposeront un contrat ils ont la possibilité de lui offrir un contrat max de 4 ans à 141 millions de dollars plus 31 millions de dollars. Ce qui fait plus 31 millions de dollars par rapport à la première offre que lui a donc proposé les Timberwolves du Minnesota, les Timberwolves qui ont donc proposé 110 millions. Voilà, je répète, hein, les Timberwolves qui peuvent proposer la saison prochaine 5 ans pour 188 millions de dollars à Jimmy Butler et on rappelle que les autres équipes peuvent proposer à Jimmy Butler un contrat max de 141 millions de dollars pour les 4 ans. Alors, si vous étiez Jimmy Butler, qu'est-ce que vous auriez et quel aurait été votre choix? Est-ce que vous auriez signé ce contrat de 110 millions de dollars sur 4 ans maintenant ou est-ce que vous auriez attendu l'année prochaine pour avoir la possibilité de toucher plus? Et je pense que c'est le calcul qu'a effectué Jimmy Butler. Jimmy Butler qui a la possibilité de toucher plus. Alors, il faut rappeler hein, que si les Timberwolves du Minnesota n'ont pas proposé une offre de 188 millions de dollars dès cette année pour son extension, c'est surtout parce que les Timberwolves se posent la question de savoir est-ce que Jimmy Butler a la possibilité de réaliser une autre saison sans crainte de blessure. Est-ce que Jimmy Butler est à 100%? On le sait qu'il a subi une opération du méniscus et il y a quand même le front office des Timberwolves qui peuvent se poser une question légitime. Est-ce que Jimmy Butler a la possibilité de réaliser une saison à la LeBron James? On rappelle que la saison dernière, LeBron James a réalisé plus de 100 matchs et il n'est pas passé sur le billard une seule fois. Est-ce que Jimmy Butler est capable d'être à 100% au niveau de sa santé? Si le joueur a décidé de ne pas accepter cette offre, c'est certainement parce qu'il estime que au niveau de sa santé, il a la possibilité de faire une saison pleine. C'est vrai, Jimmy Butler mérite hein, ce contrat de 110 millions de dollars sur 4 ans, mais le joueur estime qu'il mérite aussi
plus. Donc voilà, les Timberwolves qui peuvent l'année prochaine, Jimmy Butler sera unrestricted free agent et il pourra toucher près de 100, plus de 180 millions de dollars. Et il faut oublier que, s'il décide de partir des Timberwolves du Minnesota, on pourra lui offrir près de 141 millions de dollars sur 4 ans. Donc le contre, on va dire que le calcul est aisément fait pour le joueur qui estime qu'il a plus de chances de toucher plus la saison prochaine que maintenant. Donc pourquoi est-ce que il faut se précipiter à signer pour 110 millions sur 4 ans alors que vous savez que vous avez la possibilité de toucher plus en étant unrestricted free agent l'été suivant. Donc voilà un calcul plutôt bien pensé de la part de Jimmy Butler qui ne va pas se précipiter et qui va simplement attendre le bon moment afin de gagner plus. Donc voilà. Voilà un peu les détails qu'on voulait partager avec vous pour le dossier de Jimmy Butler. Si vous souhaitez réagir sur ce talk show, n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer un message via notre page Facebook Oncle Phil Basket ou alors dans le groupe Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. On n'hésitera pas à lire vos réactions déjà et à vous répondre si vous avez des questions. On va vous laisser avec cette info. On regarde encore notre tableau de bord pour voir s'il y a des infos à partager avec vous. On va aller du côté des Cavs de Cleveland puisque Channing Frye revient aux Cavs de Cleveland. Channing Frye qui signe un contrat d'un an à 2,4 millions de dollars. C'est donc Shams Charania qui donne l'info. Ça vient tout juste de tomber. Channing Frye qui rejoint les Cavs de Cleveland pour un an pour 2,4 millions de dollars. On va continuer avec les infos de notre tableau de bord pour parler des Bulls qui se sont séparés de Julian Stone et de Paul Zipster. Regardons plus en détail cette info pour en savoir plus. Voilà, les Bulls de Chicago qui sont séparés de Julian Stone et de Paul Zipster. On rappelle que les Bulls ont besoin de ils ont besoin de libérer de l'espace hein, pour signer Jabari Parker. Jabari Parker qui va probablement signer 2 ans avec les Bulls de Chicago pour 40 millions de dollars. Donc voilà, et on va vous donner cette info. Voilà les Bulls qui ont donc signé officiellement Jabari Parker. Voilà, c'est du direct dans Oncle Phil Basket sur Radio Hall of Fame Basket. Jabari Parker qui a donc signé officiellement avec les Bulls de Chicago. C'est une bonne opportunité pour lui. Hein. On était encore dans l'expectative de ce contrat, de cette signature. Et c'est donc fait, Jabari Parker, qui est donc un boule de Chicago. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, Jabari Parker, qui signe donc 2 ans pour 40 millions de dollars avec les Bulls. C'est donc effectif, c'est donc clair, c'est officiel. Les Bulls qui signent donc Jabari Parker. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment une bonne solution hein, d'avoir signé ce joueur. Hein. Voilà, Adrian Wojnarowski qui a diffusé aussi l'info. Il y a de cela plus de 40 minutes. Adrian Wojnarowski qui précise donc que les Bulls qui rappelle que les Bulls ont donc signé Jabari Parker. C'est aujourd'hui hein, que donc c'est tombé. Il y a encore quelques minutes. Enfin, il y a moins de 40 minutes à peu près, ou 40 ou 50 minutes, on va dire ça comme ça. À l'heure où je vous parle, Jabari Parker a donc signé son contrat avec les Bulls de Chicago aujourd'hui. 2 ans pour 140 millions de dollars. On rappelle que les Bucks ce contrat a été signé après que les Bucks ont donc retiré leur qualifying offer pour le restricted free agent, lui permettant d'être unrestricted free agent et pour lui permettre de continuer sa carrière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce contrat, sur cette situation
concernant Jabari Parker. Donc voilà, belle signature hein, de la part de Jabari. Ça, c'est une belle histoire, hein, Jabari Parker et les Bulls de Chicago. Il faut espérer hein, vraiment que Jabari Parker fasse une grosse saison avec cette équipe des Bulls. C'est un deal win-win. Hein. Il faut vraiment le préciser. Jabari Parker qui avait vraiment envie, qui avait vraiment besoin de relancer sa carrière. Le joueur traînait vraiment depuis plusieurs saisons avec les Bucks de Milwaukee. C'est une bonne chose pour Jabari Parker qui signe donc 2 ans. Voilà, c'est l'info de la soirée. Jabari Parker qui signe donc ce contrat de 2 ans à 40 millions de dollars. Est-ce que après cette signature, est-ce que vous pensez que les Bulls de Chicago vont pouvoir faire les playoffs? Ça, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Alors, si vous posez la question à Oncle Phil NBA, est-ce que les Bulls ont fait le bon choix en signant Jabari Parker? Oui. Est-ce que les Bulls de Chicago ont déposé sur la table une offre que Jabari Parker méritait? Je vais répondre que oui. Est-ce que vous pensez que les Bulls de Chicago feront les playoffs? Alors moi, je dirais que non. Je suis content hein, de l'apport de Jabari Parker puisque c'est une bonne chose pour relancer la carrière du joueur. Mais est-ce que ça veut dire que les Bulls sont suffisamment armés pour atteindre les playoffs avec leur effectif? Je pense définitivement que non. Les Bulls de Chicago ont une équipe intéressante à voir jouer, mais c'est encore trop tôt pour s'imaginer que cette équipe pourrait aller en playoff. Donc voilà un peu pour mes petites réflexions, ma réflexion, on va dire ça comme ça, concernant Jabari Parker. C'est une bonne nouvelle, hein. C'est vraiment une bonne nouvelle de voir cette signature de Jabari Parker au Bulls de Chicago pour 2 ans. Mais ce n'est pas parce qu'il a signé avec les Bulls que les Bulls seront définitivement transformés. Donc voilà les deux grosses nouvelles hein, de ce samedi. Hein, la signature de Jabari Parker avec les Bulls de Chicago pour 2 ans à 40 millions de dollars et le refus de Jimmy Butler de signer son extension de contrat avec les Timberwolves du Minnesota. Jeremy Butler qui estime bien entendu qu'il peut gagner plus la saison prochaine. Il pourra gagner plus de 180 millions de dollars sur 5 ans avec le Timberwolves du Minnesota, ou alors d'autres équipes pourront lui proposer un contrat de plus de 140 millions de dollars sur 4 ans. Donc il gagnera beaucoup beaucoup plus à attendre plutôt que se précipiter à signer ce contrat de 110 millions sur 4 ans. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette fin d'après-midi pour ce samedi avec Oncle Phil Basket sur cette application Oncle Phil Basket, l'application officielle de notre radio, la radio partenaire officiel NBA. On n'oublie pas de vous le préciser si vous posez hein, bien entendu des questions par rapport à ce partenariat Radio of Basket et NBA. Vous avez tous les détails hein, qui se trouvent sur notre site internet www.radioof.net, puisque ce ne sont pas des détails cachés, ce sont des détails publiés, c'est des détails écrits. Vous pouvez participer bien entendu à nos talk shows. Pour cela, c'est très simple, vous utilisez Skype et vous devez simplement envoyer un message à notre compte Skype Radio Off, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Vous nous envoyez un message sur Radio Off sur Skype et on vous intègre dans notre salon live où vous avez la possibilité de faire entendre votre voix à des milliers, plus de 11 000 auditeurs régulièrement par mois, tous connectés sur le parquet de la radio pour écouter les talk shows. Rejoignez notre mouvement, c'est vraiment une très très belle aventure de vivre vraiment les news de l'NBA avec une radio dans votre poche, avec votre application Oncle Phil Basket. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur d'être régulièrement avec vous pour diffuser ces infos concernant la NBA. On va terminer pour rappeler que nous avons donc le jeu Radio All of Fame Basket, le t-shirt
un t-shirt Radio Hall of Fame Basket gratuit que vous pouvez gagner chaque mois. Et pour cela, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application Oncle Phil Basket. Vous téléchargez l'application Oncle Phil Basket qui est disponible sur Google Play. Et une fois que vous l'avez installée, vous nous mettez une notation à 5 étoiles. Et n'oubliez pas votre commentaire utilisateur, votre avis utilisateur que vous saisissez sur Google Play. Une fois que vous avez fait réaliser ces deux étapes, vous faites les screenshots de ces deux éléments et vous nous envoyez les deux screenshots par message privé sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Vous nous envoyez donc les deux screenshots, le screenshot de la notation à 5 étoiles et le screenshot votre avis utilisateur. Et bien entendu, ça vous permettra d'avoir une chance de gagner un t-shirt Radio Off Basket. Ces t-shirts qui sont donc disponibles à la vente aussi, vous pouvez l'acheter si vous souhaitez sur la boutique Radio Off Basket qui se trouve sur notre site officiel www.radio.net, mais vous pouvez aussi le gagner, vous pouvez gagner un t-shirt gratuitement. Pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger l'application Oncle Phil Basket et bien entendu rester connecté avec nous. Si vous disposez d'un téléphone iOS, vous ne pourrez pas télécharger Oncle Phil Basket sur votre téléphone, mais vous pourrez télécharger Spreaker Podcast Radio. Spreaker Podcast Radio, l'application qui vous permettra d'écouter Radio Basket. Nous sommes aussi régulièrement sur la majorité des applications communautaires. Hein, donc vous pouvez nous trouver partout. Il suffit de saisir Radio Off Basket. Si vous ne trouvez pas notre radio digitale, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On vous filera toutes les infos nécessaires. Mais je voulais préciser que si vous avez iOS, vous téléchargez Spreaker App, Spreaker Podcast Radio et vous pouvez participer à notre talk show. Vous pouvez écouter les émissions et nous allons mettre en place des quiz. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Nous allons mettre en place des quiz pour permettre aux possesseurs d'iOS de jouer à ce jeu et d'avoir la possibilité de gagner un t-shirt Radio Off Basket tous les mois. Donc voilà pour l'émission ce soir. Et je vous ai rappelé aussi l'autre info, Channing Frye qui quitte les Lakers de Los Angeles pour rejoindre les Cavs de Cleveland, un deal d'un an à 2,4 millions de dollars. Est-ce que ça va changer grand-chose pour cette équipe des Cavs? Est-ce que les Cavs sont capables d'aller en playoff avec Kevin Love, hein, Kevin Love qui est donc la star de cette équipe des Cleveland, en attendant, bien entendu, un autre renforcement, les Cavs qui sont en mode reconstruction. Donc voilà, voilà un peu pour le show de ce soir. Channing Frye qui retourne à Cleveland, Jim Butler qui attend de gagner plus la saison prochaine avec les Timberwolves. Il n'accepte pas son extension de 110 millions de dollars à 4 ans pour espérer gagner plus. Et on n'oublie pas de parler de la nouvelle que moi je préfère, la signature de Jabari Parker avec les Bulls de Chicago pour un contrat de 2 ans à 40 millions de dollars. C'est une super nouvelle pour lui. J'ai hâte de voir comment il va pouvoir relancer sa carrière aux côtés de Zach LaVine. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. N'hésitez pas à jouer, n'hésitez pas à tenter de gagner un t-shirt Radio Off Basket. Téléchargez l'application Oncle Phil Basket, l'application officielle de la radio partenaire officielle NBA. Parlez de cette application à vos amis, faites la tournée, faites-les jouer, faites-les participer. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur tous les réseaux. Vous nous trouvez partout. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition Radio Off Basket. Ce sera donc demain dès 23h avec Total Africa NBA. On fera le point sur la situation de tous les joueurs africains ou tous les joueurs ayant des origines africaines qui sont en NBA. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces joueurs africains qui ont bien performé pendant la Summer League. Je pense notamment à Malik,
à Diallo, le Malien, qui a plutôt, je pense aussi à, je pense aussi à Mobamba, je pense à Bam Adebayo, je pense à plusieurs joueurs comme ça, dont on a quelques infos à partager avec vous. Ce sera dans Total Africa NBA, ce sera donc demain à partir de 23h heure de Paris. Ne manquez pas ça. Ciao les amis, bye bye, merci d'avoir été connectés avec nous. Ciao. Basketball, c'est les mieux à la radio.